Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Oh! Une carte postale de mon ami Franck le flamant rose. Il m'invite à prendre le goûter chez lui. J'ai hâte. Il y a des flamants roses partout dans le monde. Mais Franck habite en Camargue, dans le sud de la France. Alors, c'est parti! Ah, je suis enfin arrivée. Il y a un étang. C'est là que vivent les flamants roses. Ça y est, Franck, je suis là! Franck? 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 Mais où est Franck? Tu le vois, toi? Oh. Ah, bonjour, Jasmin. C'est toi? Pardon, j'étais en train de dormir. Tu dormais sur une seule patte? Oui, c'est parce que l'eau est un peu fraîche, alors je garde une patte au chaud. C'est vraiment pas facile. Comment tu fais pour ne pas tomber? Mes pattes palmées me permettent de garder l'équilibre. Ainsi, je peux rester sur une seule patte pendant plusieurs heures. Oh, salut toi! Jasmin, je te présente Tom, mon fils. Oh, mais il ne te ressemble pas. Il n'est pas tout rose comme toi. C'est normal, les bébés flamants roses sont gris car ils n'ont pas encore mangé assez de crevettes et d'algues. C'est ça qui nous fait devenir roses. Trop bien! C'est ça qu'on mange pour le goûter? Eh oui, j'espère que tu as faim. À table! C'est un vrai délice. Tu viens manger avec nous, Jasmin? Bon, je goûte, mais juste un peu, hein. C'est surprenant. Ah oui? Tu en veux encore? Non, c'était très bon. Je dois y aller maintenant, mais je reviendrai vous voir. À bientôt! À bientôt, Jasmin! Piou piou! Oh, encore du courrier! Merci! Wow, ça marche bien! Tom est devenu tout rose! C'est ça? J'ai dû manger trop de crevettes, je suis tout rose maintenant! J'espère juste que ça ne durera pas trop longtemps! Salut les copains! Aujourd'hui, on va rencontrer... Franck! Salut Franck! Franck le flamand!